bien. Il y a quelques personnes qui me rejoignent en live, c'est chouette. Bah, faites-moi un petit coucou déjà. Aujourd'hui, je lance une nouvelle émission, enfin plus ou moins nouvelle, en tout cas sur ce canal. Et j'espère que ça va vous plaire pour ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vais faire l'émission ici, des news et des tendances des médias sociaux et du live streaming. Voilà. Bonjour à ceux qui viennent me rejoindre. Faites-moi un petit coucou, ne soyez pas timide. Je vous ai concocté des trucs pas mal. Pas mal de nouvelles, de stratégies, d'idées pour promouvoir votre business. Mais qui êtes-vous? Vous êtes bien timide aujourd'hui. Faites-moi un petit coucou. Ah, c'est gentil, il y a quelqu'un qui me laisse un message. Ok. Alors, donc les messages, je les ai au mauvais endroit, je vois. C'est très bizarre. Laura qui me dit qu'elle doit partir, mais c'est pas grave parce qu'il y a toujours les lives. Qu'est-ce que je raconte, moi? Les replays qui sont toujours disponibles après, d'ailleurs. Et en plus, je vais vous dire un petit secret, c'est que moi, les replays des gens, je les regarde en vitesse 2. Donc ça va être... Alors, voilà, je vous en voudrais pas si vous me regardez mon replay en vitesse 2, puis que j'ai la... Et voilà, c'est une manière de gagner du temps. C'est un petit truc que je fais depuis plusieurs années pour gagner du temps. Tout ce que j'écoute, c'est en vitesse 2. Comme des bonheurs, je pense en vitesse 2 aussi. Ça ne change pas trop. Alors, mais bonjour, il y a 6 personnes timides qui sont là. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Ou alors, tout simplement, est-ce que ces commentaires ne marchent pas? Possible, hein? Non? Top. J'ai mis top, ça marque top. Un petit coucou, allez, qui êtes-vous? Je suis trop curieuse. Alors, mettez-moi au moins un petit like, comme ça déjà je vois si ça marche. Si vous mettez un like, du coup, il y a un Facebook user complètement anonyme, sans photo, sans nom, qui est là, qui me dit bonjour. Et ben enchanté, monsieur l'anonyme. Elodie, ça me fait plaisir de te voir ici. Voilà, tu vois, j'ai déménagé. J'ai Ruth, incroyable. Ruth, est-ce que tu es à New York? Dis-moi dans les commentaires où tu te trouves, Ruth, ça me fait tout bizarre de te voir là. Mais je suis très heureuse d'ailleurs. Et puis qui sait, peut-être que ce dont on va parler là maintenant, ça va t'intéresser. Ça pourrait t'intéresser. On va parler de stratégie, de nouvelles, de news et de tendances et de l'actualité des réseaux sociaux et du live streaming. Et Ruth, qui est médecin, hein, j'ose le dire, je pense sincèrement que, en tout cas aux États-Unis, si c'est pas déjà fait, le live streaming sur Facebook va être très utilisé par les médecins et les avocats. En Europe, c'est une autre histoire pour des raisons légales, il me semble, mais je suis toujours impressionnée par ce qui se fait aux États-Unis en live streaming dans les professions libérales. Voilà, donc encore quelques secondes et je me lance dans les nouvelles. Alors, Ruth me répond, médecin, pas trop encore, mais sinon oui, ok. Les médecins, pourtant Ruth, moi j'ai vu pas mal de médecins sur YouTube. Alors, c'était pas en live, c'est pas en direct, mais il y a pas mal de médecins qui parlent de trucs sur YouTube. Je sais que chez nous en Suisse, donc moi je suis en Suisse, on n'a pas le droit de faire de la publicité, ceci dit, on a le droit de faire des contenus qui aient une valeur ajoutée pour les gens qui regardent. Mais
bon, c'est encore une autre discussion. Je vous envoie mon super jingle et je vous retrouve de l'autre côté. Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle, pas si nouvelle émission, mais nouvelle en tout cas sur ce canal. Tous les jeudis, sur ce canal à 17h, je vais vous faire toutes les news et l'actualité et les tendances des réseaux sociaux, du web marketing et du live streaming. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que si vous êtes entrepreneur, marketeur, chef d'entreprise, start-up, CEO, médecin, profession libérale, en gros, tout le monde qui s'intéresse à communiquer sur son activité professionnelle et qui doit le faire lui-même, vous pouvez venir donc tous les jeudis ici à 17h et je fais moi la veille. Vous n'avez rien à faire, vous vous concentrez sur votre activité, votre corps de métier. Vous venez là tous les jeudis à 17h ou vous regardez en replay. Et vous pouvez regarder en replay vitesse 2, comme j'ai dit tout à l'heure, que moi je regarde les replays en vitesse 2. Et du coup, une fois par semaine, pendant, je ne sais pas, une demi-heure, on va dire, je vous donne toutes les nouvelles et toutes les nouveautés. Et comme ça, vous êtes tranquille. Et puis, on essaye aussi d'analyser ensemble, de voir ce qu'on peut faire et comment ça s'applique dans le marketing à notre business. Voilà, j'espère que cette idée vous plaît. C'est tout nouveau sur cette chaîne, ce canal. C'est une émission que je fais depuis pas mal de temps sur un autre canal. Mais c'est la première fois que je fais ça ici et je suis super contente. Alors, je vais juste répondre à la question d'Angélique parce que c'est une très bonne question. Mardi, je devais faire un live que tout le monde attendait parce que j'allais faire l'interview de Maître Vala que j'avais déjà interviewé pendant 20 minutes il y a 2 semaines, qui nous parlait du droit et du live streaming. C'était super intéressant. On a eu un problème avec la plateforme qu'on utilisait. Ça a coupé après 20 minutes. On avait replanifié mardi passé. Et c'était horrible. Pendant 3 heures, je me suis arraché les cheveux. Il y a l'autre plateforme que j'ai utilisée. Marchait pas non plus. J'ai tout fait, je vous jure. C'était horrible. Donc, j'ai dû m'avouer vaincue et lâcher prise encore une fois. Donc, il n'y a pas de live de mardi et voilà, donc c'est terrible, mais c'est la vie, il faut vivre avec ça, il y a des choses bien pires. Et puis moi, dès que j'ai trouvé une solution stable pour faire des interviews sur Facebook Live, je vais recommencer les interviews et bien sûr avec Maître Vala qui était vraiment extraordinaire et qui va revenir pour nous parler du droit et des implications légales du live streaming. Alors, pour tous ceux qui sont là, la première chose que je souhaite vous demander, c'est de liker ou de partager. Comme ça, je vais pouvoir avoir plus de gens qui reviennent chaque semaine et du coup, je vais pouvoir continuer cette activité que j'adore, de vous faire la veille pour vous, pour que vous puissiez l'utiliser tout ça dans votre activité professionnelle. Voilà, donc je me lance directement dans les... Je ne me présente pas du coup parce que je pense que les gens qui sont là savent qui je suis et puis peut-être que je ferai une petite présentation à la fin pour ceux qui ne savent pas. Mais allons-y dans le vif du sujet, je me plonge, c'est parti, les news de la semaine. Alors, la première chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un article qui est sorti, j'imagine qu'ils ont fait une étude. Et ils ont regardé en fait l'évolution du live streaming et j'ai été très surprise, comme beaucoup d'autres gens d'ailleurs, de voir que on parle du live. Vous voyez ce tableau là, c'est d'où les gens regardent les vidéos streaming en live, ok? Et bien bizarrement c'est sur YouTube. Et c'est pas sur Facebook, donc on aurait vraiment pu croire que c'était sur Facebook, et non, c'est encore sur YouTube. Donc d'après ce que j'ai compris et que j'ai pu lire et j'ai un peu parlé avec des gens, c'est parce qu'il y a des possibilités au niveau de la qualité, au niveau de la technique, qui sont bien meilleures encore sur YouTube. Mais j'imagine que Facebook va
rattraper très rapidement son retard. Et voilà, mais comme quoi on a des idées toutes faites et en réalité c'est pas du tout comme ça. L'autre petit design graphique tableau, c'est où est-ce que les gens sur le web regardent les vidéos. C'est encore à 40 versus 39, c'est encore sur les sites de news. Mais on voit que c'est 39, alors je sais pas ce que ça veut dire exactement, numéro 39, c'est sur les médias sociaux. C'est un pourcentage, ok, que 29, 20, pardon, il y a toujours un moment où je bégaye, c'est pas grave, je recommence. Je disais donc que l'endroit où les gens regardent le plus de vidéos en live, c'est encore sur, non, en live ou en enregistré, c'est encore sur les sites de news. Mais on peut voir que très très rapide derrière, tout juste derrière, il y a 39% qui regardent les vidéos sur les médias sociaux. Bonne nouvelle pour nous, puisque nous sommes des créateurs de contenu et qu'on ne peut pas mettre du contenu sur les sites de news, quoique, mais c'est une autre histoire. Voilà, le dernier petit graphique, c'est de voir... Attendez, non, je me trompe. Ok, bon, ça, c'est un peu moins intéressant. On va pas passer du temps pour ça. Mais ça vous étonne, vous aussi, que ces chiffres de YouTube et Facebook en live, moi, j'étais vraiment persuadée que c'était YouTube. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les live streamers qui créons du contenu sur Facebook live? Ça peut vouloir dire que ce qu'il est intéressant peut-être d'essayer de diffuser sur les deux plateformes en même temps. Voilà, ça on pourra en reparler un autre moment dans une autre émission, on pourra parler que de ça. Ensuite, j'en ai parlé beaucoup en fait sur l'autre canal de Facebook Watch, j'en ai peut-être pas parlé beaucoup ici. Facebook Watch, c'est, on va dire, la nouvelle télé, ok, de Facebook. Facebook Watch, c'est pas encore sorti chez nous, c'est sorti aux États-Unis déjà. Et en fait, imaginez-vous, c'est une télé un peu comme YouTube et que vous pouvez regarder aussi sur votre télévision. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont payé très très cher des gens pour leur faire du contenu extraordinaire. Donc vous avez des séries, vous avez des documentaires, enfin c'est un truc de fou, c'est une télé très haute qualité. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici? Pour l'instant, évidemment, c'est que les gens qui produisent des documentaires, des films, etc. Et des gens qui ont des trucs à gros budget. Mais bientôt, et d'ailleurs dès maintenant, ils nous proposent de s'inscrire, de soumettre en fait sur un bulletin, sur un questionnaire, notre show à nous, en espérant, qui sait, un jour être nous aussi ici, comme vous voyez, là il y a les shows et on pourrait imaginer qu'un jour il y ait le show de Stéphanie, par exemple. C'est ce qui va se passer, sûrement. Après, ça va être vraiment intéressant de voir à quel niveau, en fait, de production il faudra être pour être accepté avec les grands, on va dire. Donc tout ça, c'est tout nouveau à voir. Je vous dis, il y a déjà une possibilité de soumettre son émission à cette plateforme qui s'appelle Facebook Watch. Et l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que... Oui, c'est qu'on va avoir des pages. Donc ça, c'est intéressant pour nous, les live streamers, Stéphanie et tout le monde, tous ceux qui sont là, parce qu'on va avoir, figurez-vous, des pages Facebook, la page de notre show. Voilà. Donc en fait, maintenant, on a tous des pages qu'on appelle professionnelles, mais ils vont nous donner en plus de ça une page pour notre émission. D'accord ? Ce qui, quelque part, en fait, moi personnellement, je me dis aïe aïe aïe, puisque moi j'ai une page pour mon émission, celle où vous êtes normalement maintenant. Et je suis en train déjà de me dire, ah, mais si après ils nous donnent une page pour faire une page de notre émission, comment est-ce que je vais fusionner les deux? Enfin voilà, on va pas se prendre la tête avant que ça sorte, mais sachez que il est peut-être judicieux d'attendre un tout petit peu avant de se faire une page, si vous pouvez attendre, si vous n'avez pas encore lancé votre show, d'attendre d'avoir cette page sur votre show.
Je vais faire une petite pause pour lire les commentaires, hein, parce qu'il y a des commentaires intéressants, surtout de Stéphanie. Alors, bon, Stéphanie, elle dit qu'en fait, c'est surprenant ces chiffres de YouTube, mais en même temps, c'est assez nouveau. Et c'est vrai, Stéphanie, parce que YouTube, le streaming, il y avait avant. Alors, ce n'était pas aussi populaire, on va dire, que maintenant, mais ils ont commencé avant, donc je pense qu'ils sont un peu en avance. Et Stéphanie, oui, je pense que c'est judicieux de doubler les diffusions. Ah voilà, ok, donc de double streamer ou multi-stream. Absolument, et d'ailleurs, on en parlera, c'est déjà un niveau assez élevé du live streaming, hein, mais je serais ravie de vous en parler dans une autre émission. Alors, sinon, que se passe-t-il? Voilà. Donc, ils ont fait aussi évidemment des tas d'études et de recherches pour voir. Et en fait, ils ont trouvé que les gens aiment beaucoup mieux les vidéos qui sont en série. Encore une fois, pour nous, live streamers, super important. Parce que une vidéo par-ci, par-là, ça accroche moins forcément, c'est logique, c'est comme les séries à la télévision. Donc, c'est assez intéressant aussi, pour ceux qui vont se lancer dans Facebook Live, de se dire, ok, est-ce que... Ok, on peut faire une émission par semaine, par exemple, comme je vais faire là pour les news, mais après, est-ce que je pourrais pas faire tous les mardis, pendant 6 semaines, une série de comment se lancer sur Facebook Live ? Ou sur un thème comme ça pendant plusieurs semaines. Donc, très, très intéressant, intéressante information pour nous, les créateurs de contenu live streamer. Alors, le truc aussi par rapport à Facebook, cette plateforme Facebook Watch, c'est que en gros... Ça ressemble énormément à YouTube, évidemment, puisque maintenant ils vont se faire concurrence plus que jamais. Et puis quoi d'autre encore? Et puis voilà. Et puis ce qui est assez impressionnant, c'est que à peine cette plateforme est sortie, donc il n'y a même pas encore, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de shows encore, et bien que tout le monde déjà est en train d'essayer de faire des deals avec des annonceurs pour faire sponsoriser leur show, etc. Il va y avoir, ça va brasser à mon avis des millions là-bas parce que, bien évidemment, ce que Facebook est en train d'essayer de faire, c'est de ramener tous les budgets publicitaires des télévisions sur sa plateforme. Voilà. Alors, Stéphanie, faites de la communication ping-pong pour plus de retombées. Doublez tout sur YouTube. Blog, Facebook, il faut être présent partout en même temps en faisant attention à la législation. Ok, alors c'est intéressant ce que tu dis. Alors toi, tu appelles ça ping-pong et moi, j'appelle ça réutiliser en fait, ou en anglais repurpose, on entend souvent ça en marketing. Et effectivement, on fait déjà, on prépare déjà un Facebook Live, donc absolument le réutiliser, le mettre sur YouTube, le mettre sur votre blog, etc. Voilà, est-ce que à part Stéphanie, de ceux qui sont là, vous avez déjà un show? Je voulais juste dire à ceux qui me suivent maintenant en direct sur une autre page, le mieux pour que je vois vos commentaires, en fait, c'est venir directement sur Catherine Darlive. Parce que je sais que l'émission, elle est montrée sur plusieurs de mes pages, mais je ne peux pas voir tous les commentaires, je peux juste voir sur Catherine Darlive. Donc, je crois que c'était Marina et 2-3 personnes qui étaient sur une autre plateforme. Venez me rejoindre pour commenter et participer avec nous. Je voulais vous montrer aussi, en parlant du live streaming, j'adore ce que fait le Elle Magazine. Ils invitent des gens, je ne sais pas si vous avez déjà vu, je vais juste vous montrer. Sur la route. Alors, c'était tout à l'heure en live, hein, c'est qu'ils invitent des chanteurs à venir chanter. Ah, zut, 2 secondes. À venir en live, dans leur bureau, tranquille, hein, s'asseoir hein, à la cool et chanter. Donc, il y a des chanteurs connus. Celui-là, je ne le connaissais pas. J'ai oublié son nom d'ailleurs. D'ailleurs, je n'arrive plus à revoir la vidéo. Mais ils font des trucs vraiment très sympas. D'accord ? Donc, ils ne font pas seulement... Bonjour à tous et bienvenue chez Elle. Aujourd'hui, pour notre nouveau Elle Live, on reçoit Malo. Bonjour, salut. Merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Malo, c'est un peu le nouvel espoir de la pop française, avec des jolies mélodies. Merci.
c'était si difficile de rester. Pourquoi est-ce si facile? Voilà, donc en fait, c'est génial. Allez regarder parce qu'il y a plein de chanteurs qui sont vraiment connus, intéressants, nouveaux, machin. Et que c'est vraiment fait d'une manière géniale. On n'a plus besoin maintenant de promouvoir des musiciens ou des nouveaux disques qui sortent, de faire ce qu'on faisait nous à l'époque, puisque moi je travaillais en fait dans la musique en tant qu'attachée de presse, où il fallait bouger tous les grands médias et tout ça. Ou même un L par exemple, peut-être que le L sur le papier, ben déjà sur le papier on n'entend pas la musique clairement, donc c'est génial de pouvoir l'entendre en live. Et puis imaginez que peut-être que sur le L papier, ben, l'espace est limité et que maintenant avec les lives on peut faire plein de trucs. Donc L fait plein de choses en l'occurrence, en plus de ça il y a des trucs de yoga, de cuisine, etc. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai interviewé la responsable du L Digital. Et c'est un interview qui va sortir très bientôt, je crois le 25 septembre, sur le premier sommet international du marketing au féminin. C'est gratuit ce sommet. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Inscrivez-vous parce qu'il y aura plein de conférences sur le marketing et des tas de choses à apprendre gratuit, je répète. Voilà, ensuite, où sommes-nous? Ah oui, alors, je voulais vous parler en fait de LinkedIn. Merci pour tes petits cœurs Stéphanie, j'adore, ça me fait du bien. Alors, LinkedIn, il se passe des choses super intéressantes. C'est pas nouveau. Ça fait une ou deux semaines ou trois semaines qu'on en parle. Mais on va pouvoir mettre des... Mais ça, je vous ai déjà parlé. Alors, mais j'ai parlé dans une autre émission tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai l'impression que je fais des fois des petits trucs. Donc, LinkedIn, on va pouvoir maintenant mettre une vidéo directement depuis le téléphone. Ça va être comme Facebook. Donc, vous pressez sur un bouton sur LinkedIn, enregistrez et vous faites votre vidéo. Et vous pouvez tout de suite poster sur LinkedIn, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, pour poster une vidéo, il fallait mettre sur YouTube le lien, etc. Et ce n'était pas forcément favorisé par l'algorithme de LinkedIn qui n'allait pas favoriser ses concurrents, en fait. Donc, c'est assez cool pour plein de raisons. La première raison, c'est que c'est vrai que Facebook, c'est génial, le streaming pour le business, etc., etc. Mais c'est quand même LinkedIn, la dite plateforme professionnelle. Donc c'est vraiment un endroit où les gens ne vont que pour des raisons professionnelles. Alors que Facebook, malgré tout, c'est encore un endroit où on a notre famille, nos amis, etc. Imaginez quand vous diffusez sur vos profils Facebook un truc de boulot et qu'il y a tout votre ami, votre grand-mère, votre chat. Alors que là, c'est vraiment que dédié à la promotion de votre activité. Donc ça, c'est vraiment génial. Je fais une petite pause pour dire bienvenue à Stéphanie, qui est là avec moi et qui est une de mes assistantes. C'est mon bras droit, Stéphanie. Voilà, donc bienvenue Stéphanie. Tu n'es pas obligée de rester si tu n'as pas le temps, mais si tu restes, ça fait toujours plaisir. Voilà, et tu pourras nous mettre 2-3 liens si tu as le temps de rester. L'autre chose qui est assez intéressante, il y a deux choses encore sur LinkedIn que je voulais vous dire. Il est évident que LinkedIn va aussi vers un LinkedIn Live. Et ça, c'est grand, c'est énorme. Pour moi, en tout cas, au niveau marketing et business, c'est un truc juste énormissime. J'attends que ça. Mais déjà, même les vidéos maintenant qui sont pas en live qu'on va pouvoir mettre, j'ai pas encore la possibilité donc sur mon téléphone parce que c'est aux États-Unis. Puis vous savez comment ça marche, ça se déploie un peu lentement. Mais pour vous tous, pour nous tous qui sont francophones, dès que ça sort, mettez-vous tout de suite à faire des vidéos sur LinkedIn. Pourquoi ? Parce que ça va être comme Facebook. Quand c'est quelque chose de nouveau, c'est tout de suite favorisé par les algorithmes au début. Donc foncez dès que ça sort. Et puis les lives, ce sera pour plus tard, mais je suis sûre que ça va venir. Petite pause. Oh. Pendant que je bois, n'hésitez pas à partager si vous connaissez des gens qui pourraient aimer cette émission.
comme ça, moi, je vous fais la veille, mais vous partagez. Alors, l'autre chose qui est intéressante sur LinkedIn, c'est que il y a maintenant, je vais même essayer de vous montrer en fait, carrément. Je vais vous le montrer en live. J'avais pas prévu de faire ça parce que j'aime pas trop. Alors, Donc, qu'est-ce qui se passe sur LinkedIn? Regardez ce qu'il y a ici. Vous voyez la messagerie? Ça vous rappelle rien? La petite messagerie là de côté? Hein? Ça vous rappelle rien? Et il y a des petits points verts, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses, en tout cas, ça veut dire plusieurs choses. La première chose, ça veut dire que LinkedIn veut que vous soyez de plus en plus sur LinkedIn et moins sur Facebook, d'accord? Surtout pour les trucs pro. Et ils vous permettent... Et la deuxième chose, ça veut dire qu'on va pouvoir... Bon, là, c'est quelqu'un que je connais, il n'est pas en ligne, mais je peux directement, comme sur Facebook, essayer de le contacter. Donc, c'est beaucoup plus dynamique, direct, etc., que ce qu'on devait faire avant, d'envoyer un gentil mail, etc., etc. Il faut toujours être gentil maintenant, il ne faut pas harceler les gens, mais je veux dire, on a l'impression comme ça d'être beaucoup plus près des gens et que ça va faciliter peut-être les interactions business, etc. Donc ça, c'est pour LinkedIn et je trouve ça extrêmement, extrêmement, extrêmement intéressant pour le business. Le marketing, vraiment, 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 je sens un truc là. Alors, l'autre chose chez LinkedIn, pour ceux qui font de la publicité chez LinkedIn, moi j'en fais pas parce que je trouve que c'est très très cher sur LinkedIn de faire de la publicité, j'en fais un peu sur Facebook, mais LinkedIn maintenant va ouvrir en fait son réseau publicitaire et il va s'élargir. Vous savez, ils ont toujours des partenaires comme sur Facebook, hein. On peut choisir de faire la publicité sur Facebook ou... sur les canaux de leurs partenaires, ça s'appelle Audience Network. Et il est possible que le fait que LinkedIn justement ouvre à l'Audience Network, ça puisse faire baisser les prix de la publicité. Et ça, ça peut être aussi intéressant pour nous. Pourquoi pas tester si les prix baissent un peu et de voir qu'est-ce qu'on a comme retombée. Ça aussi, c'est un sujet super intéressant. Que je vais couvrir dans les lives, je pense, plutôt du mardi, parce que le jeudi, ce sera vraiment les news, etc. Et le mardi, ce sera vraiment des sujets liés au marketing et au live streaming. Alors, autre truc un petit peu flippant, je trouve, c'est que, en fait, Facebook, sans avoir fait d'update de son application, et ça, je suis sûre que vous ne savez pas, moi non plus, je ne savais pas, c'est que quand vous faites un live sur Facebook maintenant, automatiquement, ça va partir dans votre story, en gros. Vous savez, les stories qu'on ne fait jamais, que personne ne fait jamais. Et en fait, cette femme, elle a découvert ça et il n'y a même pas le moyen, on voit bien donc à droite, de décocher la page de story. C'est-à-dire qu'on fait notre live, après on nous demande « Est-ce que vous voulez afficher votre post ?» Oui, mais par contre, les stories, c'est automatique. Et c'est pas très très cool pour diverses raisons évidentes. Et donc, comment est-ce qu'on peut, il y a une parade à ça, c'est que tout simplement, il faut aller dans vos settings de story, dans les settings, et enlever et mettre en fait, au lieu que ce soit votre story qui est visible à tout le monde, que votre story soit visible seulement à vous. Voilà, c'est la parade. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que certains d'entre vous utilisent les Facebook Stories ou les Stories Instagram? Mettez-moi dans les commentaires si vous utilisez ou les uns ou les autres. Pourquoi je vous pose la question? Parce que ça fait super longtemps en fait qu'on voit que sur Facebook, les Stories de Facebook, ça prend pas du tout. Ok, donc qu'est-ce que Facebook a décidé de faire? Et c'est pas mal pour nous, ça va nous faire gagner du temps. C'est qu'ils ont tout simplement décidé d'amener les stories d'Instagram que tout le monde fait sur Facebook.
Et, ah, c'est pas cette news, excusez-moi. Et en fait, on peut voir là, c'est quelqu'un qui a vu que c'est sorti chez lui. Alors encore une fois, on ne sait jamais quand ça sort ou ça sort. Mais on peut voir là que sur son téléphone, il a fait sa story sur, sa story sur Instagram. Et là, ça lui demande dans une langue absolument inconnue si il peut cliquer ici et la mettre directement comme story Facebook. Et ça, c'est vraiment cool. Franchement, parce que je ne sais pas vous, si vous faites des stories et tout ça, moi, j'en fais pas. Je fais pas beaucoup d'Instagram pour des raisons de temps. Parce que je suis persuadée que c'est une plateforme extraordinaire où on peut faire beaucoup de choses. Mais là, je me dis tout d'un coup, si je fais une story et que ça part dans deux endroits en même temps, ça m'intéresse plus parce que je vais perdre moins de temps, on va dire. Alors, Elodie, les stories Insta, elle en fait, mais très peu. Bah, tu vois, ça, c'est assez chouette du coup parce que en un clic, en une vidéo, tu cliques et c'est bon, c'est parti à deux endroits. L'autre nouvelle pour ceux qui aiment Instagram, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens parce que je ne vois pas ce que ça va nous avancer, c'est qu'en fait, vous pouvez voir vos stories sur votre desktop, sur votre ordinateur de table. Et avant, on pouvait voir ces stories seulement sur les mobiles. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui sont toujours à leur bureau, puis qu'eux, ils vont être tout contents de pouvoir voir toutes les stories de leurs amis et tout ça au bureau, etc. Moi, ce qui m'aurait intéressé beaucoup plus, c'est de pouvoir mettre les stories depuis l'ordinateur, au lieu de devoir tout le temps le faire sur le téléphone. Je ne sais pas pourquoi, mais il paraît que ça ne va pas se faire. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors, si la technologie... Alors, Stéphanie, je ne connais pas du tout ce que tu appelles les stories. Peux-tu en dire plus, s'il te plaît ? Absolument. Les stories, à la base, pour faire l'historique, Stéphanie, c'était sur Snapchat. Tu sais, Snapchat, c'est la plateforme que tous les jeunes utilisent, où en fait, ils peuvent se faire des petites histoires, ils se filment en plusieurs fois, et toutes ces petites séquences font une story, en fait. Et du coup, ces stories ont été, en guillemets, volées par Instagram, puisque Facebook a voulu acheter Snapchat parce qu'il avait vu le potentiel. Snapchat n'a pas voulu vendre et donc Facebook a acheté Instagram et a copié littéralement tout ce que faisait Snapchat, dont les stories. Donc si tu vas sur Instagram ou sur Snapchat, tu verras que les gens, en fait, tu peux faire des tas de... Tu peux te filmer, tu peux mettre des photos, tu peux faire des tas de... d'effets géniaux, etc., etc. Et tu mets ça comme une petite histoire. Alors évidemment, pour nous, on va parler de business et de marketing, hein, on ne va pas parler de « j'ai mangé ça, on s'en fout », mais on peut imaginer des tas de choses. Il faut vraiment aller voir des exemples de ce que font les business et les entrepreneurs pour, encore une fois, offrir du contenu à valeur ajoutée qui va fidéliser les clients potentiels. Donc, Elodie me dit, j'étais justement en train de chercher un moyen de faire des stories depuis l'ordi. Ben, c'est pas possible et c'est bien dommage d'ailleurs. Alors, Stéphanie, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et d'ailleurs, je te propose de faire une émission juste sur les stories et comment ça marche. Ok. Alors, autre chose d'assez important, c'est qu'on peut voir à quel point Facebook se donne de la peine pour nous faciliter la vie quand on fait de la publicité. Non seulement nous faciliter la vie, mais de faire que nos publicités aient un niveau extraordinaire, le niveau télévision. Donc en fait, c'est vraiment la démarche de Facebook pour faire venir les grands annonceurs. Là, on voit Emma Salomon. Donc vous pouvez aller sur Facebook Creative Hub, pardon. Et là, en fait, vous pouvez... En fait, on vous dit, pour être inspiré. Donc, vous allez, je ne sais pas, par exemple, il y a des stories, Canva, vidéo. Allez, vidéo. On va regarder la vidéo, puisque nous, on aime bien la vidéo. Et là, on peut voir des publicités qui ont été faites. Alors là, par exemple, une publicité qui a été faite par Fiverr. D'accord ? Donc, ça nous inspire. On peut... Voilà. Et puis, après, super facile... On peut créer un mock-up. Un mock-up, j'imagine que c'est un template. Donc, on clique et directement, ça nous amène dans la plateforme de publicité et ça nous facilite complètement la démarche. Donc, vraiment, tout est fait
pour faire venir les annonceurs sur cette plateforme et leur faciliter. Il y a même aussi, je crois, alors je ne sais pas si c'est là ou autre part, où on montre comment on peut prendre une publicité de télévision, donc ça c'est vraiment pour les grands annonceurs, et là, rendre Facebook ad friendly. Voilà. Ensuite, WhatsApp. Qui c'est qui utilise WhatsApp pour sa vie, on va dire, privée? Mettez-moi dans les commentaires. Parce que moi, j'utilisais évidemment WhatsApp pour ma vie privée, mais je pense que ça va devenir un super outil aussi au niveau professionnel. Je suis en train de perdre ma voix là. Puisque WhatsApp, ça va devenir une plateforme qui va vous permettre, on va pouvoir booker par exemple un restaurant, un coiffeur, on va pouvoir acheter, réserver avec sa carte de crédit. Sur WhatsApp, on va pouvoir faire des tas de choses. Et ils vont, parce que pour leur modèle économique, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent, ils vont commencer à faire payer les grandes entreprises. Heureusement, pour les petits business, petits moyens business et entrepreneurs, ça reste gratuit. Et ils ont aussi commencé à prendre certains des comptes et offrir une certification. Vous savez, comme sur Facebook, on a cette petite marque bleue, et bien là aussi, c'est pour, on peut imaginer que quand il y aura, je ne sais pas moi, Coca-Cola, je sais pas, Adidas, Nike, machin, qui vont vendre des baskets sur WhatsApp, qu'il vaut mieux donner sa carte de crédit seulement s'il y a la petite coche verte, puisque ça a été contrôlé. Voilà, donc il va se passer des choses intéressantes avec WhatsApp. À mon avis, ils n'arrêtent pas de dire non, on ne va pas avoir de publicité sur WhatsApp, mais comme on voit, puisque WhatsApp c'est à Facebook, et comme on voit ce qu'ils ont fait avec Facebook Messenger et que nous avons des publicités dans Messenger qui arrivent, à mon avis, ils vont craquer et quand même mettre des publicités sur WhatsApp. Donc gardez un œil hein, pour ceux qui travaillent avec des gros clients ou même des moins gros, hein, et même pour nous entrepreneurs, de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mois. Alors, YouTube, c'est pas des nouvelles super excitantes, mais bon, ils ont changé le logo. Alors, ne me demandez pas ce qui a changé comparé à l'ancien logo, mais ils ont changé le logo, c'est une grande nouvelle. Et ils ont rajouter aussi 2-3 nouvelles choses. Donc on va regarder la petite vidéo qu'ils ont faite. Hop. Ah non, ah ouais. Hey guys, this is Sam, and today YouTube rolled out some pretty big updates to their iOS. Désolée, c'était celle d'avant, excusez-moi. Moi, je voulais regarder celle officielle. Oups. Ah. Voilà. Oups. Leur interface de plein de manières différentes, évidemment pour parce qu'ils sont en pleine course Facebook, YouTube, donc c'est vraiment il faut pas se reposer trop parce que sinon l'autre le rattrape. Alors autre chose, voilà, intéressant aussi, Facebook dans sa course à dépasser YouTube a offert des millions à l'industrie musicale
pour laisser les utilisateurs uploader les chansons en vidéo. D'accord ? Et ça, c'est vraiment, vraiment dans l'optique d'essayer de tuer YouTube, finalement, en fait. Puisque sur YouTube, on a des vidéos, mais elles sont pas... enfin, il y en a qui sont pas légales, etc. Il y en a qui sont légales. Mais là, en fait, on voit que Facebook va payer pour que nous, utilisateurs, on puisse uploader les vidéos, ok, je bégaye aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, bref. Ok, c'est pas grave, je passe à la news suivante. Vous vous souvenez qu'on pouvait booster un post sur Facebook? Ils vont enlever pas mal cette fonction sur plein de trucs, donc on pourra plus booster certains produits, on pourra plus booster une note, on pourra plus booster un moment culturel. Enfin, il y a toute une liste ici pour ceux que ça intéresse de choses qu'on ne pourra plus booster au niveau publicitaire. Mais booster, c'est juste sur le post ou la vidéo. Vous vous souvenez où en bas c'était marqué vous pouvez booster, et c'était super facile. C'était vraiment le niveau zéro en fait de la publicité pour ceux qui commençaient, pour pouvoir avoir plus de portée sur son poste, ok ? Ceci dit, c'est pas parce qu'on ne pourra plus booster une liste énormissime de posts et de vidéos qu'on ne pourra plus booster en utilisant la plateforme de Facebook Ads, donc le Power Editor et le Ad, j'ai oublié le nom de l'autre, d'accord ? C'est juste que ce sera plus, comme c'était avant, super facile, on clique et tac, et c'est parti. Est-ce que vous faites de la pub Facebook, ceux qui sont là ? Ça m'intéresse parce que moi, je suis à fond là-dedans maintenant. Est-ce que vous faites de la pub Facebook ? Bon, on arrive lentement à la fin de ce premier numéro des news et actualités réseaux sociaux et live streaming. Donc je répète, toutes les semaines, tous les jeudis à 17h, je vous offre en une demi-heure, des fois 45 minutes, toute l'actualité, toutes les nouveautés de la semaine, tout ce qui est sorti au niveau réseaux sociaux, web marketing et live streaming, ce qui vous permet à vous, entrepreneurs, patrons de PME, fondateurs de start-up, et surtout, surtout les marketeurs professionnels, parce que moi j'en suis une, et donc c'est un show qui est créé par quelqu'un qui fait du marketing professionnellement. Donc je sais de quoi vous avez besoin, je sais comment sélectionner en fait les informations qui vont nous servir à nous marketeurs. C'est toutes les semaines à 17h, vous vous embêtez plus vous avec la veille, vous faites votre boulot, vous venez ici ou en replay, et le reste de la semaine vous essayez d'appliquer ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, etc. Voilà, donc très brièvement, je suis Catherine Dard, je suis professionnelle du marketing et de la communication depuis plus de 25 ans, c'est vous dire si ça fait des années que je fais ça, et j'ai travaillé pour beaucoup de grandes marques que je nommerai peut-être une fois, et ensuite j'ai ouvert mon agence pendant 7 ans, travaillé aussi pour des marques, et depuis un an et demi, je me suis spécialisée dans le Facebook Live et la formation et la transmission d'informations, d'actualités, etc. Donc si vous voulez continuer à me suivre, c'est ici, donc tous les jeudis et tous les mardis, on a aussi une émission où je parle beaucoup plus de Facebook Live pour le business. Donc il y a plein de trucs qui vont être liés à ça, hein. Ça va être le marketing, comment faire des entonnoirs de conversion, enfin j'ai fait une liste monumentale de sujets qu'on va pouvoir couvrir. Maintenant, pour ceux que ça intéresse et qui ne l'ont pas encore, j'ai fait un e-book qui est un plan d'action pour lancer en 6 étapes, pour lancer son Facebook Live. Donc tous ceux qui souhaitent se lancer sur Facebook Live, vous pouvez télécharger ce guide qui est gratuit évidemment, mais pas payé. Et puis comme ça va pouvoir vous aider un petit peu à vous organiser.
Autre information à savoir, c'est que, il y en a deux ou trois informations, hein, c'est que on a un groupe, je dis on parce que maintenant on est une petite communauté très sympa, donc on a un groupe de gens qui se lancent sur Facebook Live qui s'appelle Tout sur Facebook Live. Donc si vous voulez nous rejoindre, là aussi, tous les vendredis, je fais une mini classe et des tutos et on échange un petit peu l'information. Et last but not least, j'ai un cours qui commence le lundi de la semaine prochaine qui est 6 modules pendant 6 semaines pour lancer son cours Facebook Live, son émission Facebook Live pour le business. Et là, je vais fermer les portes vendredi dans 24 heures parce que j'ai décidé de prendre un tout petit groupe pour le début, pour bien m'occuper d'eux, et les portes seront fermées, vous ne pourrez plus avoir accès à ce cours pendant plusieurs semaines. Donc ça aussi, pour ceux que ça intéresse, je vous envoie les liens. Donc en gros, je vais être plein de liens, ce qui en général ne doit pas être fait, puisqu'on dit bien qu'il faut y avoir un appel à l'action par émission, mais comme moi j'ai plein de liens et plein d'idées et plein d'envie, et ben tant pis, je vais casser la règle du super marketing internet pour vous donner tout ce que j'ai. Voilà, si vous avez aimé cette émission, partagez, likez, partagez et surtout revenez si ça vous a aidé. Je vous remercie infiniment à ceux qui ont été là, qui m'ont suivi du début à la fin. Merci beaucoup et je vous retrouve demain dans le groupe Tout sur Facebook Live à 17h et mardi prochain 17h et jeudi prochain, et ce sera comme ça toutes les semaines. Allez, ciao ciao.